Salut les amis des Troubadours, aujourd'hui je vous donne des petites nouvelles en vidéo. Donc comme vous le savez, la programmation du Festival des Créas de Ville a été annoncée il y a peu. Donc pour ceux qui le connaissent, je refais la liste des groupes qui sont programmés cette année. Il s'agit de Casper et son piano mobile, des Bricky Boxes, de Whistling Tumbleweed, des Cadillac and Sly, des Tendres Voyous, de Hasta Siempre, des Goatees et de Cold Worm. Voilà, donc c'est une programmation qui, comme tous les ans, est variée au niveau des styles, éclectique. Et la petite particularité cette année, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui chantent en français. Voilà, c'est ce que moi j'ai pu remarquer dans cette programmation. Côté bricolage, donc le prochain atelier bricolage aura lieu samedi 12 mai à Yvetot, comme d'habitude. À cette occasion, j'en profite pour vous passer un petit message de la part de Nanou Anaïs, qui est notre responsable déco. Elle est à la recherche de tissus. Donc, si elle a pensé, si vous avez des vêtements usés et notamment colorés dont vous souhaiteriez vous débarrasser, on veut bien les récupérer parce qu'on fait une banderole tissu avec des petits morceaux pour faire des fanions. Peut-être que vous l'avez vu l'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas. Pendant qu'on est dans les appels, j'en profite pour vous passer un message de la part de Louise également, qui est notre chargée d'animation, qui est à la recherche de lots sympas pour la tombola du festival. Donc, si vous avez des cadeaux, des bons d'achat par rapport à une entreprise, un magasin ou n'importe quoi qui pourrait constituer des lots sympas pour notre tombola, pareil, n'hésitez pas. Voilà, je vais terminer en vous parlant des bénévoles. Comme d'habitude, c'est important. Donc, on a une réunion bénévole qui aura lieu le samedi 2 juin à Écrêteville à 18h pour vous expliquer en fait ce qui va se passer dans la journée du 30 juin, comment ça se passe au niveau des plannings, quels sont les rôles de chacun et voilà comment on peut s'organiser. Donc, si vous avez envie d'être bénévole au festival, n'hésitez pas à nous rejoindre à Écrêteville le 2 juin. Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il y aura un formulaire d'inscription qui vous sera transmis également juste avant, bientôt. En fait, on va vous transmettre tout ça très bientôt. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.